Il a parcouru plus de 26 km pour sensibiliser le grand public aux questions de l'environnement. Cet ancien ingénieur consacre aujourd'hui son temps au vélo. Le message que l'on veut passer, c'est que ce changement climatique, qui est une vraie catastrophe pour l'humanité, c'est aussi une formidable opportunité pour changer la société, pour passer à un autre, changer de paradigme et faire une société qui soit plus partageuse, plus bienveillante et finalement beaucoup plus agréable à vivre. Un engagement initié par Sylvain Ster, organisateur de l'événement qui a prévu ce tour à vélo, mais aussi des projections débats. Une démarche de sensibilisation auprès du grand public demandée par l'antenne nationale du mouvement. Il y avait cette volonté d'Alternativa, du mouvement Alternativa national, de faire un tour d'Île-de-France, de découvrir les alternatives locales. Et c'est proposé, hein, volontairement. On avait un endroit avec plein d'alternatives locales cool qui fonctionnent. Donc c'était ça l'objectif de cette journée, c'était que les cyclistes du Tour Vélo Alternativa découvrent toutes les belles choses qui se passent à la derrière, avec des beaux projets qui se mettent en place petit à petit. Le Tour à Vélo de l'énergie citoyenne continue toute la semaine. Prochaine étape le 22 septembre à Versailles.